Bonjour chers élèves, toujours à propos de la leçon des fonctions, nous allons aujourd'hui parler de la notion de fonction paire, fonction impaire. Rappelez-vous, jusqu'à présent nous avons parlé de notion de fonction, de domaine définition d'une fonction, nous avons parlé de la courbe représentative d'une fonction, nous avons parlé de l'égalité de deux fonctions, et aujourd'hui on va parler de fonction paire, fonction impaire. Donc avant de donner la définition de fonction paire et impaire, nous allons prendre quelques activités. Donc on considère soit f, l'activité A, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale à x carré. C'est un exemple qui est familier. F de x est égal à x carré. Vous allez d'abord donner le domaine de définition, déterminer df, et comparer f de x et f de moins x pour tout x appartient à df. Donc, on a dit la première activité, c'est f de x est égal à x carré. Concernant le domaine, il est simple. C'est une fonction qui est habituelle. On n'a ni fraction ni racine. Donc, quel est le domaine de définition de cette fonction? Tout le monde voit que le domaine de définition de la fonction, c'est R. Donc, ici, c'est df, c'est R. Maintenant, si on a comparé f de x et f de moins x. Tout d'abord, vous allez remarquer que si x appartient à R, moins x appartient à R. Et en fait, R, il contient tous les nombres. Donc, soit x appartient à R, on a aussi moins x appartient à R. Et si on calcule l'image de moins x par la fonction f, ça donnera moins x au carré. Et tout le monde sait que deux nombres opposés ont même carré, donc ce sera égal à x carré, est égal à f de x. La conclusion, donc le domaine de définition de la fonction c'est R, l'image de x c'est le même que l'image de moins x par f, et on n'a que si x appartient à R qui est df, moins x appartient aussi à df. Ce genre de fonction, ils l'ont appelé une fonction qui est paire. Donc on dit que f est paire. Rappelez-vous les deux conditions, x et moins x appartient à df, où l'image de moins x, c'est l'image de x. Une deuxième activité B. Par exemple, nous allons considérer soit g, la fonction définie par g de x égale à x à la puissance 3. C'est aussi un exemple simple. Même question, déterminer dg. Le domaine de définition de la fonction g est comparé g de moins x et moins g de x. On a la fonction, c'est g de x est égal à x à la puissance 3. Pour le domaine de définition, là encore, il n'y a pas de problème. Tout le monde voit que le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi? C'est R. On a dg est égal à R. Là encore, tous les nombres sont dans R, que ce soit x ou moins x, ou son opposé est moins x. Et si on prend un élément quelconque de R, on a moins x appartient à R. Pour qu'on puisse calculer l'image de moins x, il faut que moins x appartient au domaine de définition. Moins x appartient à R, qui est le domaine de définition de la fonction g. À quoi est égal g de moins x? C'est moins x à la puissance 3. Tout le monde sait qu'un nombre négatif à la puissance, un nombre impair, reste un nombre négatif. Donc c'est moins x à la puissance 3. Et là, tout le monde remarque que c'est moins g de x. Donc on a le domaine de définition de g, c'est r. Pour tout x de r qui est df, on a moins x appartient à r qui est dg. Et l'image de moins x, c'est moins g de x. Ce genre de fonction, ils l'ont appelé une fonction qui est impair. Donc on dit que g est une fonction
impair. Donc, fonction paire, nous avons x et moins x appartient à df, deux nombres opposés en même image. Pour une fonction impair, on a x et moins x appartient à r. Les images de nombres opposés sont des images qui sont opposées. C'est-à-dire que g de moins x est égal à moins g de x. Donc, deux nombres opposés, moins x et x, ont des images opposées. Pour une fonction paire, deux nombres opposés ont même image. À partir des deux activités, nous allons prendre maintenant la définition d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc, petit 2, définition. J'espère que vous avez compris la définition à partir des deux activités. Donc, à votre avis, quand est-ce qu'on dirait qu'une fonction est paire ou impaire? Donc, il faut qu'on ait deux conditions pour chacune. La même condition, c'est la même. Il faut que x et moins x appartiennent à df. La deuxième, pour f, pour une fonction paire, deux nombres opposés en même image. Pour une fonction impaire, deux nombres opposés en des images opposées. Donc, soit f, une fonction définie sur df. Donc, quand est-ce qu'on dirait que f est pair? De la première définition, f est pair si il faut qu'on ait deux conditions. Pour tout x appartenant à df, on a moins x appartenant à df. La deuxième condition, pour tout x appartient à df, on a f de moins x égale à f de x. Une remarque, pour que x et moins x appartiennent à df, il faut que le domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. En fait, si 4 appartient à df, il faut que moins 4 appartient à df pour qu'on puisse calculer f de moins 4. Si 5 appartient à df, il faut que moins 5 appartient à df. Et dans la première condition, on peut la reconnaître à partir du domaine de définition, il faut qu'elle soit symétrique. C'est-à-dire, si vous avez 0 ici, si vous avez un intervalle inclus dans df, dans le côté positif, pour que f soit pair, il faut que son symétrique par rapport à 0 soit continu dans le domaine de définition. À chaque fois que x appartient à df, son opposé appartient à df. Donc, on a dit que la première condition, on peut la reconnaître à partir du domaine de définition. Ça, c'est concernant la notion de fonction pair. Pour la fonction impaire, on a dit que f est impair, quand est-ce que est impair si, là encore, c'est deux conditions. La première, pour tout x de df, on a moins x appartient à df. On a dit qu'il faut que le domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. La deuxième, pour tout x appartient à df, f de moins x est égal à moins f de x. Et dans ça, c'est pour la définition d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Notez bien la notion de fonction de parité. On l'a déjà vu dans le cours intitulé l'ensemble des entiers relatifs, enfin, la première leçon. Mais il s'agissait de nombres pairs et de nombres impairs. Là, on parle de fonction paire et de fonction impaire. Donc, paire, fonction paire, deux éléments opposés en même image. Impaire, deux éléments opposés en des images opposées. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Trois exemples. Je vais vous donner là un nombre d'exemples. Et vous allez dire si la fonction est paire ou impaire ou ni l'une ni l'autre. Et donc, parmi étudier la parité de chacune des fonctions suivantes.
Petit a, par exemple, un exemple simple qu'on a déjà vu, par exemple, f de x égale à valeur sur de x. B, par exemple, f de x égale à x à la puissance 3 plus x à la puissance 5, par exemple. C, f de x égale à racine de x au carré moins 1. D, f de x égale à sinus x, par exemple. A, B, C, D, E, par exemple, f de x égale à cosinus x. F, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le numéro de l'exercice et la fonction, on va noter par exemple I, f de x égale à 1 sur x au carré plus 4. J'espère que vous avez des réponses déjà. Donc on va voir si la fonction est paire ou impaire. Et un dernier exemple. Par exemple, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Par exemple, f de x égale à x à la puissance 2 plus x à la puissance 3. Ce sont des exemples en fait qui sont très simples. J'espère que vous avez déjà la réponse dans vos têtes. Pour la première question, tout le monde, on a fait dans le cours de la valeur absolue, on sait que deux nombres opposés ont même valeur absolue. Donc tout le monde voit que le premier exemple, c'est un exemple de fonction qui est paire, évidemment. Enfin, si on veut faire la solution de cet exemple, donc pour le premier exemple qui est f de x égale à valeur absolue de x, le domaine de définition c'est R. Donc la première condition elle est vérifiée, quel que soit x appartient à df moins x appartient à df. La deuxième condition, pour tout x de df qui est R dans notre cas, on a f de moins x, c'est la valeur absolue de moins x. Et tout le monde sait que la valeur absolue de moins x, c'est aussi la valeur absolue de x qui est f de x. Donc cette fonction, elle vérifie les deux conditions données dans la notion de fonction paire. Donc la fonction valeur absolue de x est une fonction qui est paire. Pour le deuxième exemple, on a f de x, c'est x à la puissance 3 plus x à la puissance 5. la bêtise à ne pas commettre, ne pas dire que x à la puissance 3 plus x à la puissance 5, c'est x à la puissance 8. Il y a des gens qui font ce genre de faute. Donc en fait, on peut additionner les exposants quand est-ce que, si on introduit ici. La f de x, c'est x à la puissance 3 plus x à la puissance 5, c'est une fonction polynôme. Le domaine de définition, on a de problème, df c'est R. Puisque le domaine de définition c'est R, donc la première condition elle est vérifiée. Donc pour tout x de df, pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df. On a dit que R il contient tous les nombres. Pour la deuxième condition, si on calcule l'image d'un élément x de R, à quoi est égal f de moins x? C'est moins x à la puissance 3 plus moins x à la puissance 5. Un nombre négatif élevé à un nombre impair, ça donne un nombre négatif, donc c'est moins x à la puissance 3. Et là aussi, c'est moins x à la puissance 5. On peut factoriser par moins, donc c'est moins facteur de x à la puissance 3 plus x à la puissance 5. Et là, c'est l'opposé de f de x. Donc la première condition, x et moins x appartient à df, elle est vérifiée. F de moins x est égal à moins f de x. D'après la définition, la fonction f est une fonction impaire. Donc, f est impaire. Donc la première, il faut signaler que f est paire. Donc on a oublié de signaler le résultat. Donc f est paire. pour le troisième exemple, donc on a f de x à quoi est égal?
L'expression de f de x, c'est racine de x au carré moins 1. Donc, c'est l'exemple C. L'expression de f de x, c'est racine de x au carré moins 1. Pour le domaine de définition de f, il faut que x carré moins 1 soit positif. Donc, on a étudié le signe de x carré moins 1. Tout le monde voit que x carré moins 1, c'est un trinôme de deuxième degré. Les racines sont moins 1 et 1. Le a, c'est un nombre qui est positif, c'est 1. Donc, il sera positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur des racines. Nous, on cherche à déterminer l'intervalle sur lequel x carré moins 1 est positif. Et tout le monde voit qu'il est positif dans l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. La première condition de la parité d'une fonction, est-ce qu'elle est vérifiée ici? Tout le monde voit que le domaine de définition il est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que 0, c'est un centre de symétrie du domaine de définition. Vous avez une moitié qui est positive, l'autre qui est négative. Donc la première condition, elle est vérifiée. Ou bien, on peut le faire en utilisant, on va voir si x, soit x appartient à df. Ça veut dire quoi? Donc, x, elle est soit inférieure à moins 1, où x est supérieur ou égal à 1. Donc on va voir où moins x, quel est l'intervalle dans lequel moins x varie. Donc si on multiplie par moins 1, d'où moins x il sera supérieur à 1 ou moins x il sera inférieur à moins 1. C'est-à-dire que moins x en fait elle appartient au domaine de définition. Donc moins x elle appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Union 1 plus l'infini. Rappelez-vous que le OU se traduit en union. On l'a dit déjà dans l'une des leçons précédentes. Le OU se traduit en union et le S se traduit en inter. Donc la première condition, elle est vérifiée. Et la deuxième, si on prend un élément quelconque de DF, qui est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, à quoi est égal f de moins x? On a f de moins x, c'est la racine de moins x, le tout au carré, moins 1. Et là, tout le monde sait que moins x au carré, c'est la même chose que x carré. Donc, c'est la racine de x carré, moins 1. Elle est égale à f de x. La conclusion, cette fonction, elle est paire. Donc f est pair. Pour l'exemple suivant, f de x c'était x à la puissance 3 plus x carré. On a dit au départ dans l'activité que x à la puissance 3 c'est une fonction qui est impair. Et x carré c'était pair. Là où on vous a donné la somme de deux fonctions, l'une paire et l'autre impair. Le domaine, il n'y a pas de problème. Tout le monde voit que le domaine c'est R. Mais, donc la notion de symétrie, elle existe. Si x appartient à df, moins x appartient à df. Mais si on calcule l'image d'un élément quelconque de R et son opposé, soit x appartient à R, on a moins x appartient à R. Et f de moins x, à quoi est égal? C'est moins x à la puissance 3 plus moins x à la puissance 2. Moins x à la puissance 3, c'est moins x à la puissance 3, et moins x au carré, c'est x carré. Tout le monde voit que cette expression elle est différente de f de x. Et si on factorise par le signe moins, donc ça donnera x à la puissance 3 moins x au carré. Donc cette expression elle est différente de f de x, elle est différente de f de x, elle est différente de f de moins f de x. Donc en fait, cette fonction n'est ni paire ni impaire. Donc attention, le contraire d'une fonction paire n'est pas automatiquement impaire. Il existe des fonctions qui sont ni paire ni impaire. Donc pour qu'une fonction soit paire ou impaire, on doit vérifier deux conditions que nous avons citées tout à l'heure. Ça, c'est concernant. Pour les autres exemples, on peut les faire oralement. La fonction sine. La fonction, c'était la lettre ABCDF, I, j'espère, f de x
égale à sinus x. Là, vous l'avez déjà étudié dans le cours de trigonométrie. Tout le monde sait que sinus de moins x égale à c'est moins sinus x. On sait que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. On peut le rappeler en utilisant le cercle trigonométrique. Si vous avez un angle x, l'angle moins x, c'est de l'autre côté. Sinus de x, c'est dans les axes, c'est le projet de tournage, les axes des ordonnées. Sinus de moins x, c'est le symétrique de sinus de x. Donc on a sinus de moins x, c'est moins sinus de x, où le domaine de sinus c'est R, donc la fonction sinus, elle est impaire. Pour la fonction cosinus, tout le monde sait que x et moins x ont même cosinus. Le cosinus de x, il a quel angle x? C'est x moins x, c'est là. Tout le monde voit que x et moins x ont même cosinus. Donc la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. À titre d'exercice, vous devez compléter ou continuer les autres. Ils sont très simples. Pour tangente, qui est le rapport de sine et cos, tout le monde sait aussi qu'il y a une fonction impaire. Donc à retenir, si vous avez démontré qu'une fonction est paire ou impaire, vous devez vérifier deux conditions. La première, elle est commune pour les deux. La deuxième, pour une fonction paire, il faut que deux nombres opposés aient même image. Et pour la fonction impaire, il faut que deux nombres opposés aient des images opposées. Donc nous avons parlé de fonction paire. Nous avons donné la définition de fonction paire, fonction impaire. Nous avons pris des exemples de fonction paire et impaire. Là, on va parler de courbes représentatives. Courbe représentative d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Là, nous allons dans les deux exemples, c'est à vous de les faire pour la prochaine séance. Activité. Soit f, la fonction définie par f de x égale à valeur sur de x. C'est un exemple qui a été déjà traité. Vous allez représenter graphiquement cf. Ou bien tracer la représentation graphique de f. Représenter graphiquement f. Ça, c'est pour l'exemple 1. Pour l'exemple 2, vous allez considérer soit g, la fonction définie par g de x est égal à la valeur sur de x plus 1 moins la valeur sur de x moins 1. Là, je signale ici que la première fonction elle est paire, on l'a déjà faite. Celle-ci, vous allez étudier la parité de g et puis vous allez représenter graphiquement la fonction g. Étudier la parité de g. Et tracer cg. Je répète, la première elle est paire, la deuxième vous allez vérifier qu'elle est impaire. À partir des deux activités, nous allons voir comment est la courbe d'une fonction paire, comment est la courbe d'une fonction impaire. Et à la prochaine.